Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je salue la présence ici de chercheurs, fins connaisseurs de Michel Foucault, Rena Sporzini et Frédéric Gros. Je reprends. Hein. Alors, donc, bienvenue pour cette soirée, cette séance consacrée à un cours de Michel Foucault de l'année 1954-1955, lorsqu'il était à Lille en psychologie. Et ce cours a été donné aussi en même temps à l'École normale supérieure de la rue d'Ulme à Paris. Et on va tout de suite vous dire quels sont les comment ce travail a été mis à jour, édité, etc. Je vous présente donc Ariana Sforzini, qui est plus particulièrement chargée de l'édition de ce cours-ci. Elle est docteur en philosophie, enseignante à Sciences Po Paris. Et donc, vous travaillez sur Foucault, la pensée contemporaine, dans ses rapports aux arts et aux performances du corps. Vous avez publié au bord de l'eau Les scènes de la vérité, Michel Foucault et le théâtre, et au PUF, Michel Foucault, une pensée du corps. Voilà. Frédéric Gros, vous êtes professeur d'humanité politique, éthique, philosophie contemporaine à Sciences Po Paris. Vous avez édité en deux volumes les œuvres de, pas complètes, hein, les œuvres de Michel Foucault, et vous êtes connu pour avoir écrit un petit livre, Marché, une philosophie, chez Albin Michel en 2021. Aussi, la honte est un sentiment révolutionnaire, dites-vous, toujours chez Albin Michel, et en 2019, chez Flammarion, Désobéir. Voilà, c'est un programme. Alors, la question « qu'est-ce que l'homme ?» c'est une question, on pourrait se... avec un titre comme « la question anthropologique », on peut se demander, mais alors, est-ce que la question « qu'est-ce que l'homme ?» a un sens ? Et est-ce qu'elle est pertinente à poser ? Bon, déjà, chez Platon... quand on avait une savante déduction par dichotomie, on en arrivait à dire que l'homme était un bipède sans plumes. Donc il y a un type qui est entré dans la salle avec un poulet écorché qui a dit « voilà l'homme de Platon ». Bon, ça, c'est... bon. Mais ce que montre Foucault, c'est que cette question « qu'est-ce que l'homme ?» a traversé surtout l'histoire de la philosophie moderne en Europe, disons de la fin du XVIIIe siècle à la deuxième moitié du XXe. Et évidemment, il ne s'agit pas d'apporter une réponse à la question qu'est-ce que l'homme, ou quel est le propre de l'homme, etc. Mais Foucault veut explorer, légitimer ou invalider cette question. Et c'est une question qui vise à orienter les philosophes vers une discipline, l'anthropologie, de nouveaux champs. Mais ce que montre la succession des cours, c'est qu'à chaque fois, il y a un travail de deuil à faire, un deuil de la nature, de l'essence de l'homme, de son propre, etc. Et Foucault retrace les actes d'une dramaturgie philosophique qui annonce d'ailleurs son œuvre ultérieure, puisqu'en 11 ans après, en 1966, il publie « Les mots et les choses ». Alors, deux mots sur, sur l'itinéraire de Foucault, très rapidement. Donc, il a commencé par deux essais sur la maladie mentale. Et il a visité, comme vous le savez, la clinique de Ludwig Wiesbanger dans les années 50. Il a préfacé un texte de Wiesbanger, Le rêve et l'existence, texte qui fait une trentaine de pages. La préface de Foucault dépasse les 100 pages. Bon. Et c'est un texte magnifique, hein. On a eu l'occasion d'en parler ici, si vous étiez là, il y a deux ans, à propos du cours, justement, sur l'inédit de Foucault sur Wiesbanger. Et puis, Foucault se met à entreprendre la généalogie des sciences de l'homme. Généalogie, c'est un mot qu'il emprunte à Nietzsche, qu'il s'est approprié.
Donc ça commence par la psychiatrie, la médecine, avec naissance de la clinique en 1963. Et enfin, en 1966, il publie « Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines ». L'année d'après, il publiera un volume de méthodologie qui s'appelle « Archéologie du savoir ». C'est une étude, il faut des choses, des catégories, des soubassements des sciences humaines. Comment les sciences humaines sont-elles apparues lorsqu'au XVIIIe siècle encore, l'homme pratiquement n'existe pas, hein? Histoire naturelle, qu'on appelle comme ça, on appellerait aujourd'hui la biologie, analyse des richesses, l'économie politique, grammaire générale, qu'on appellerait linguistique. Et 1966 est une année magnifique en France. Il y a les choses qui sortent cette année-là, les écrits de Lacan, c'est une année très importante. Et c'est le tournant structuraliste, disons, pour aller vite, avec Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, etc. Et alors se profile la disparition de l'homme lui-même, la fin de son invention, la fin de l'invention de l'homme, vis-à-vis de laquelle, évidemment, l'humanisme, un humanisme non repensé, disons, ne ferait qu'être redondant ou inutile. Voilà. Donc, Arianna Sordini, vous avez édité ce cours. À qui ce cours était-il destiné? Et ce qui est intéressant, c'est que je viens de dire qu'on connaît le Foucault qui analyse la généalogie des sciences de l'homme. Et là, c'est une généalogie philosophique. Tout à fait. On pourrait presque dire que c'est une archéologie du discours anthropologique, si on voilà. pouvait utiliser ces mots de manière évidemment anachronique, parce que Foucault, il n'a pas encore ce vocabulaire, bien évidemment. Mais je pense que ce qu'il est en train de faire s'approche de ce que sera après sa méthode archéologique. Effectivement, c'est assez clairement en cours, même si en réalité, face au moins, enfin, on a établi ces cours à partir d'un manuscrit. Et ces manuscrits commencent d'ailleurs avec un chapitre 1. Donc on s'est demandé longuement s'il s'agissait aussi peut-être d'une ébauche de texte, quel était le statut de ces textes qu'on a retrouvés donc, dans les archives qui se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, qui ont été donnés en 2013 par Daniel Defer. C'est à partir de ces énormes fonds d'archives qu'on a monté donc ces projets d'édition des cours et travaux antérieurs au Collège de France de Michel Foucault, dont ces cours font partie. Mais dans ce cas-là, on peut être assez sûr, disons, qu'il s'agit d'un cours, parce qu'on a retrouvé des notes donc, d'étudiants à l'École normale supérieure, les notes de Jacques Lagrange et celles de Gérard Simon, qui effectivement reprennent de manière assez précise les développements de ces manuscrits. Donc, ce dont on est sûr, c'est que ces textes, qui a d'ailleurs l'allure d'un cours, hein, si vous l'avez regardé, a été prononcé à l'École normale supérieure entre la fin de l'année 54 et le début de l'année 55. Vraisemblablement, ces matériels a été aussi utilisé pour les cours que Foucault donnait effectivement comme assistant en psychologie. Parce que justement Foucault avait cette double formation, il était aussi psychologue et il a commencé sa carrière universitaire comme enseignant de psychologie. Il est vraisemblable qu'il ait utilisé ces matériels à Lille, donc dans l'année 52-53, mais en réalité on n'a pas de preuves, de traces de ça. Et je vous invite à faire. Enfin, moi, je suis toujours très étonnée parce que Foucault à cette époque-là, il a entre 26, 28, 29 ans. Enfin. Mmh. Il est vraiment très jeune. Et pourtant, ces textes sont déjà d'une richesse et d'une philosophique vraiment, vraiment incroyable. Donc, à l'ENS, les enseignements les enseignants proposaient des séminaires assez libres. Donc, les publics étaient vraisemblablement d'étudiants de différents niveaux. On ne sait pas trop si Foucault suivait assez littéralement les manuscrits, mais certainement, comme il y a des citations juxtaposées, il prenait le temps d'improviser ou d'expliquer un peu mieux ses citations. Donc, il devait commenter aussi au fur et à mesure qu'il lisait ses cours.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, ça vous surprendra peut-être si vous le lisez, c'est il consacre beaucoup de temps à des philosophes allemands qu'on lit peu. Hein, Diltay est une part spécialiste, disons, de l'herméneutique. Et Feuerbach, qu'on connaît un peu mieux parce que Marx en a beaucoup parlé. Puis on a publié des traductions de Feuerbach justement dans ces années-là, au tournant des années 60-70. Mais sinon, effectivement, c'est impressionnant sa capacité de travail. Bon, ça, on le savait déjà, mais là, on voit à quel point il a décortiqué tout le corpus. Ah oui. Et ça aussi, c'est assez... Parce que si on regarde seulement les textes qui ont été publiés du jeune Foucault, il n'y en a aucun qui soit à ce point philosophique. En réalité, toute cette culture philosophique, on la pouvait évidemment deviner aussi en voyant ce qui a été fait par la suite. Mais ces cours vraiment nous montrent une culture, de l'histoire de la philosophie, de Aristote jusqu'à Nietzsche, qui est vraiment impressionnant. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire que Foucault fait de la philosophie, même si d'une manière tout à fait nouvelle, radicalement, enfin, à réinventer, qu'il essaye de déplacer, mais qui part quand même d'une interrogation et d'une exigence philosophique fondamentale. Alors, justement, quand on prononce le mot anthropologie, il y a des images qui viennent à l'esprit, à savoir l'anthropologie comme science ethnographique, ethnologique. On pense à Lévi-Strauss, on pense à Marcel Mauss, plein de gens. Mais quel est ce genre qu'avec Kant on appelle l'anthropologie philosophique? C'est ça, d'ailleurs, qui est assez déroutant. C'est-à-dire qu'on... là aussi, ça a été toute une discussion autour de la question du titre. Quel titre donner à ces cours? Parce que ça, évidemment, c'est nous, l'éditeur et le comité éditorial qui a choisi. Parce qu'en fait, ce n'est pas, on ne trouvera pas... Ce n'est pas un cours sur l'anthropologie proprement dite. Ni l'anthropologie au sens culturel, enfin, disons, l'étude, c'est ce qu'autrefois on appelait l'étude des peuples primitifs. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Fraser, Taylor, Morgan, ni l'anthropologie philosophique en réalité proprement dite. Enfin, Foucault cite à un moment Scheler, mais si je ne me trompe pas, mais bon, il n'y a ni Gehlen, ni tous les grands philosophes de la tradition allemande, par exemple, c'est pas du tout de ces côtés-là qu'il veut aller. Donc, de quoi il parle? Et il cite pas, évidemment, Lévi-Strauss, il aurait pu, sa thèse était parue, ni Durkheim, ni Mauss, Lévi-Brühl. Bon. Donc, de quelle anthropologie il parle? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut faire quand il parle? Parce qu'il fait une histoire de la notion d'anthropologie, son histoire à lui, de la notion d'anthropologie. Il part d'anthropologie en fait comme d'une attitude philosophique qui est propre effectivement à cette période qu'on peut dire la période moderne, je dirais essentiellement les 19e siècle, et qui consiste à faire de la question sur la vérité de l'homme la question philosophique fondamentale. Et donc on voit très bien que c'est au fond, Foucault est déjà dans cette critique d'une approche humaniste et des sciences humaines qui sera au cœur de tout son travail des années 60, en réalité. Il est déjà là-dedans. Et c'est très intéressant par rapport aux deux autres textes qui ont été édités de la même période lilloise, disons, dont vous avez discuté les années précédentes, je pense, c'est-à-dire les textes sur Husserl et les textes sur Binswanger, justement. Ces cours sur l'anthropologique met l'histoire au centre, c'est-à-dire historicise cette question qui est au centre, c'est-à-dire l'anthropologie. C'est vraiment un cours qui fait l'histoire, et déjà une histoire à la manière de Foucault. C'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait dire qu'il préfigure l'archéologie et la généalogie, parce que c'est une histoire par... période juxtaposée dont on essaie de trouver les différences. C'est-à-dire Foucault montre qu'en réalité l'anthropologie comme il l'entend à l'âge classique n'existait pas. Il fait tout un travail sur Descartes, sur Malebranche, sur la pensée de la grâce au XVIIe siècle.
que même Kant, bon, on parlera, je pense, après, mais même chez Kant, on ne peut pas trouver, en réalité, l'anthropologie comme il l'entend, que la vraie période anthropologique, c'est le 19e siècle, avec, justement, Feuerbach, Marx aussi, Diltaï. Et puis, il y a toute cette partie sur Nietzsche, parce que, oui. Voilà, c'est, moi, je pense que c'est la l'homme découverte... Ah, bah, c'est Nietzsche, oui, l'homme... On voit bien que la découverte de Nietzsche pour Foucault est probablement antérieure à ce qu'on avait pensé et assez précoce. Et je pense que c'est ça qui lui donne l'impulsion historique. Enfin, c'est Nietzsche qui le fait plonger, entre guillemets, dans une vraie pensée critique de l'histoire. Et bon, évidemment, c'est Nietzsche le moment où la pensée anthropologique explose. Mmh. Et donc, en réalité, tout l'humanisme au XXe siècle serait presque un résidu d'une forme de pensée qui est déjà dépassée. Donc, déjà dans ces textes, Foucault nous montre que l'homme est une invention récente, comme il dira dans Les mots et les choses. Oui. Et que pour le XXe siècle, il s'agit vraisemblablement de penser en dehors de la question de l'homme. Mmh. Alors, puisque vous citez le dernier paragraphe des mots et les choses, je vais vous le lire. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, elles basculeraient donc, ces dispositions, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle, le sol de la pensée classique. Alors, on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à les limites de la mer un visage de sable. Une phrase magnifique qui clôt donc ce livre fabuleux qui sont les mots et les choses. Frédéric, comment alors on pourrait définir un peu l'anthropologie philosophique? Parce que comment on passe d'une sorte d'anthropologie à la Binswanger? Donc, pour Binswanger, l'homme est au cœur de la pratique psychiatrique, au cœur de ses écrits. Et puis voilà maintenant Foucault qui fait la généalogie philosophique de l'anthropologie. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment on passe de l'un à l'autre? Je ne sais pas. Je pense que... quand Arianna Sforzini nous parle de la découverte de Nietzsche et de la lecture de Nietzsche dans ces années-là, c'est-à-dire en 53-54, et on s'aperçoit en lisant le cours qu'en découvrant Nietzsche, il a cette espèce d'ambition de tout lire, ou de lire, de lire au maximum, en tout cas. Et assez curieusement, il cite d'ailleurs Nietzsche dans ses traductions françaises, essentiellement, alors que c'est vrai que pour Feuerbach et Diltai, il est plutôt dans le texte allemand. Donc ça a été une espèce de traumatisme philosophique qui le fait basculer. C'est-à-dire c'est à partir de la lecture de Nietzsche qu'il s'aperçoit que cette question de qu'est-ce que l'homme, qui peut nous paraître si pleinement et si évidemment philosophique, parce qu'après tout, on pourrait se dire que c'est la première et la dernière question que devrait se poser la philosophie. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie, sinon la tentative pour répondre à la question qu'est-ce que l'homme, quelle est la vérité de... Quelle est la vérité de l'homme? Et cette lecture, et d'une certaine manière, quand il lit Binswanger, alors après il passe un peu, quand il lit Husserl, c'est plutôt qu'est-ce que le monde? Alors on sent bien, il est comme ça dans cette configuration de pensée. Et c'est vrai que la lecture de Nietzsche fait tout basculer. Quand je dis que ça fait tout basculer, je veux dire que la question qu'est-ce que l'homme lui apparaît comme d'abord, enfin vous l'avez très bien dit en relisant la fin des mots et les choses, on ne s'est pas toujours posé la question, parce qu'après tout
on prend des livres qui s'appellent l'anthropologie philosophique, on va nous dire, oui, Socrate s'était posé la question, qui suis-je? Et puis ensuite Montaigne, l'humanisme de Montaigne. Mmh. Donc il y a cette espèce de coup de force qui est un peu déstabilisant culturellement, parce que dire que l'homme commence au 19e siècle et puis bon, fini, voilà, on se dit, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Donc en tout cas, la manière dont la question « qu'est-ce que l'homme ?» joue comme point de gravitation essentiel pour une pensée sérieuse et philosophique, ça commence au 19e siècle. Après, on dit, mais enfin, traité de l'homme, c'est quand même Descartes qui a écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les essais de Montaigne, est-ce qu'on ne parle pas de... Et Foucault, là, répond non, non. C'est-à-dire tout son effort sur la pensée classique, c'est de dire que quand on parle de nature, par exemple, je veux dire, la question, c'est qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la nature et qu'est-ce que Dieu dit à travers la nature? Et au fond, la question de l'homme apparaît comme relativement secondaire ou plutôt dérivée. Mmh. Voilà. Ouais, pour penser la vérité, il faut adopter le point de vue de Dieu ou de la raison en tant que... Voilà. Et c'est dérivé ensuite la question qu'est-ce que l'homme? En revanche, à partir de... ouais, alors, quand on y reviendra, oui, peut-être, c'est sur le... Oui. C'est sur le bord externe. Mmh. Mais oui, chez Feuerbach, chez Diltaï, penser la vérité, c'est commencer par se poser la question « qu'est-ce que l'homme ?» Mmh. Voilà, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une nature humaine, une essence de l'humanité éternelle et qu'il faudrait découvrir, non seulement découvrir, mais même redécouvrir, etc., parce qu'elle a peut-être été oubliée, perdue, c'est l'aventure de l'histoire. Et le coup de force de Nietzsche, c'est de dire que tout ça est une farce, quoi. C'est-à-dire, cette question... le coup de force de Nietzsche, oui, c'est de dénoncer ça comme une farce. Alors après, vous avez raison de dire que c'est un peu compliqué, parce que les textes de Max Scheler que vous citez sur l'anthropologie philosophique, on est en plein XXe siècle quand même. Mais enfin, pour Foucault, oui, on continue, bien sûr, parce qu'il faut bien... Quand on est dans des assemblées polies et tout, on dit oui, il faut être humaniste, la question de l'homme doit être au centre. Mais en fait, c'est quand même fini. C'est-à-dire que ça a été débordé par Nietzsche, par le langage, par les... Oui, puis on peut peut-être aussi ajouter que Foucault n'est pas le seul, dans les années 60, à dire que l'humanisme est fini. Alors, c'est devenu très vite une affaire. Intervenir là-dessus, non, rien, pas sur l'anti-humanisme. L'anti-humanisme des années 60, c'est une invention de journaliste ou bien c'est une réalité? C'était certainement une question controversée dans les années 60, parce que vous connaissez sans doute tous les attaques de Sartre, par exemple, au mot et les choses, en disant que la pensée anti-humaniste de Foucault, justement, c'était très dangereuse pour la société et pour la pensée marxiste. Et je pense qu'effectivement, il y a tous ces rapports au marxisme aussi qui est en jeu dans un certain anti-humanisme de Foucault, c'est-à-dire qu'il s'agissait aussi de prendre les distances aussi après et avec Althusser, d'une certaine lecture justement humanisante et humaniste du marxisme. Et donc Marx, c'est bon, peut-être on y reviendra sur ça aussi, c'est vrai qu'il en parle très peu dans ses cours et on a presque l'impression que c'est une partie qui a été ajoutée à un certain moment, on n'a pas l'info. Mais en même temps, c'est des passages magnifiques à lire, une analyse quand même fulgurante de Marx. Mais dans cette attitude anti-humaniste, il y avait certainement aussi tout un rapport très compliqué au marxisme qui voulait peut-être récupérer un certain Marx contre les marxismes de cette époque. C'est vrai aussi que Foucault s'est posé, c'est toute la question, est-ce que Foucault était un structuraliste? Je pense que Foucault a passé, moi le terme, un peu flirté avec le structuralisme en certaines périodes, mais il a toujours été assez clair qu'il ne pouvait pas se reconnaître dans l'idée qu'il y ait des structures universelles. Bon, voilà.
même non subjective, non humaniste, mais universelle. Donc, ça a toujours été une pensée très anti-universaliste aussi, celle de Foucault, non seulement anti-humaniste. Mais en tout cas, il partageait avec donc un certain structuralisme des années 60, et je pense aussi à Lévi-Strauss ou même à Lacan, une critique fondamentale du sujet transcendantal en philosophie, enfin de la primauté du sujet en philosophie. Il y avait cette idée, non pas que le sujet n'existe pas, mais que le sujet est un produit. Une construction d'un produit d'une certaine configuration de discursive ou alors des rapports de pouvoir, ça sert à peu près dans les années 70. Mais je pense que ça, très, très clairement, depuis donc son plus jeune âge, Foucault se pose dans cette, à la fois la nécessité de repenser la question du sujet, parce qu'évidemment, c'est quand même au centre de sa philosophie, mais de la repenser d'une manière qui soit justement loin du sujet encore de la phénoménologie, par exemple, ou de l'existentialisme. Et oui. on peut tracer évidemment des flèches, des liens avec aussi la dernière période de sa pensée. Ce que je voulais juste ajouter, c'est un petit adjectif. Quand on parle d'anti-humanisme, on parle d'un anti-humanisme théorique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on est pour l'oppression des peuples, qu'on est pour la discrimination. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il s'agissait quand même pour Foucault de dire attention, ce que vous appelez l'humanisme, c'est quand même le cache-sexe des pires oppressions, et que c'est au nom d'un certain humanisme qu'on a mené des politiques coloniales, et que l'humanisme communiste, ça donne aussi les camps. Donc je veux dire, c'était un anti-humanisme théorique qui consiste à dire que si on veut vraiment penser, à un moment, il faut peut-être se débarrasser de l'obsession de « il y a une naissance humaine ». La question des droits, la philosophie des droits de l'homme, au fond, ça a été aussi une philosophie de l'homme blanc, bourgeois, etc. C'était aussi une déconstruction un peu antilittérale de cette prétention d'universalisme. Oui, et c'est vrai, tu as fini, oui. Non, mais je veux dire que ça a été rattrapé pour les années, actuelles. Foucault apparaîtrait rapidement aujourd'hui comme étant le représentant de ce qu'on pourrait appeler une pensée woke par excellence. Parce qu'effectivement, on a quelque chose comme un anti-universalisme. Mais si vous voulez, cet anti-universalisme n'est pas du tout du côté, justement, d'un relativisme qui consisterait à dire tout se vaut, etc., mais une manière d'être d'abord courageux avec sa propre pensée et d'éviter certaines facilités, c'est-à-dire certaines fadeurs. Aujourd'hui, justement, il y a tous ces débats autour de la pensée woke, immédiatement, on pose la question sur un plan moral et politique, comme on pouvait faire dans cette époque-là quand on parlait d'humanisme. C'est-à-dire, d'un côté comme de l'autre, on dit si on renonce à une certaine universalité, justement, des droits, de la pensée de l'homme, on tombe dans un relativisme et un communautarisme où on finit par tout ce... par accepter aussi des positions très moralement très discutables, et de l'autre côté on dit plutôt si au contraire on veut casser un peu l'hypocrisie qu'il y a derrière cette prétendue universalisme, parce que en réalité c'est l'universalisme d'une certaine position de certaines valeurs qui prime sur les autres. C'est l'homme blanc qui disait La même à l'époque de Foucault, c'était un peu comme ça. On pouvait dire, Sartre disait à Foucault, ta position est moralement faible, politiquement faible. Quand vous dites Sartre, c'est un grand nom, mais à côté de ça, vous avez par exemple, le Parti communiste avait un philosophe qui s'appelait Roger Garaudy, qui s'est distingué par la suite. Mais c'est affligeant, amusez-vous pas longtemps, mais à regarder un petit peu les dialogues chrétiens-communistes des années 60, franchement,
Bon, on fait pas mieux aujourd'hui, hein, mais bon. Donc il faut avoir aussi présent, je pense. Pour reprendre, je vous laisse poser les. Oui. Si vous avez beaucoup de questions, mais je trouve que ce qui est dit est important. Je crois que le problème, c'est vraiment ce qu'on appelle les lumières. C'est vraiment ce qu'on appelle, c'est-à-dire de faire de Foucault la critique de l'universalisme est immédiatement recodée aujourd'hui comme mettant celui qui la tient du côté des anti-lumières. C'est-à-dire on est anti-républicain, anti-lumière. Et au fond, ce dont se réclame Foucault, c'est d'une certaine lecture des lumières qui pose, bon, on y reviendra après, qui pose le principe de la liberté de penser comme noyau et qui permet de faire trembler l'idée. Je veux dire, l'idée même d'universel doit pouvoir être interrogée à la lumière un peu crue de la pensée. Et c'est ça, pour lui, l'esprit des lumières. Pensée, puis aussi l'action, parce que Foucault, a fondé le groupe Information Prison. Il a une pratique militante plus particulière, mais assez importante. C'est un homme engagé. C'est pas. Oui. Non, là-dessus, oui, oui. Et d'ailleurs, justement, je trouve qu'il y a. Il y a deux points dans le cours qui sont repérés, d'ailleurs dans la situation, où ça tremble un peu. C'est d'abord Nietzsche, c'est évidemment la grande secousse. Mais avant, ça avait été rappelé par Ariana, c'est évidemment Marx. Oui. Parce que ce qu'il dit à propos de Marx, c'est qu'effectivement, il faut voir, on est dans les années 50, et les textes qui pouvaient paraître, même d'Hippolyte, qui avait été le maître de Foucault, le maître hegelien, etc., on avait une série de textes qui considéraient que le grand Marx, le vrai Marx philosophique, c'était le Marx des écrits de jeunesse, les manuscrits de 44, même un peu l'idéologie allemande, etc. Et qu'ensuite... Le capital et tout, c'est le moment où Marx, tend vers une espèce de scientisme un peu froid et que là, ça devient un peu dangereux parce qu'on n'est plus dans un Marx, dans un Marx humaniste. Voilà. Et la réponse que fait Foucault dans ce texte, alors rien n'a raison de le, qui est quand même très court, mais qui est très, qui est très fort, c'est de dire que si effectivement on considère que c'est la solution marxiste, c'est de nous faire sortir de la philosophie parce que un certain nombre de résolutions, un certain nombre de contradictions ne vont pas être résolues par une espèce de reprise réflexive ou à la lumière de ma conscience, ça y est, je pense enfin l'essence de l'homme dans toute sa pureté et c'est bon, j'ai le moyen pour vous dire comment nous allons construire une société meilleure. Et là, Foucault dit, Marx nous dit que l'aliénation, ça suppose un passage de l'action et que la seule résolution, elle est dans l'action révolutionnaire. Et donc, c'est vrai que là, c'est un texte, je trouve, assez fort en disant, où il dit même, il n'y a pas de philosophie marxiste, parce que le marxisme, c'est ce qui nous fait sortir de la philosophie. C'est de l'action. Je peux vous lire une petite citation que j'aime beaucoup, qui parle justement de Marx. Il dit, les marxismes, il faut les prendre comme la première, la plus claire et la plus profonde de ces expériences que l'homme fait obscurément depuis plus d'un siècle, qui est la fin d'une philosophie, la fin d'un art, la fin d'une vérité, la découverte que l'homme et la vérité ne s'appartiennent l'un à l'autre que dans la forme de la liberté. Et je pense qu'il y a là, dans cette phrase, quelque chose de... Il y a presque une lecture nietzschéenne de Marx, il me semble, dans ses cours. Et qu'en fait, parce que si je devais résumer vraiment dans une phrase, et peut-être c'est hâtif, mais ce que Foucault entend par, justement, anthropologie, c'est justement cette idée que la vérité de l'homme et à rechercher dans l'homme lui-même. Et en fait, la force de la pensée de Nietzsche, c'est de dissocier la question de l'homme de celle de la vérité, de libérer l'homme, d'une certaine manière, du poids de découvrir en lui une vérité cachée, une vérité originaire, une vérité qui le définirait.
Et cet exercice critique, je ne sais pas comment, que Foucault découvre chez Nietzsche, ben, il peut l'appeler de liberté, et c'est cette même liberté qu'il retrouve au fond dans Marx et dans la possibilité d'action que la pensée de Marx ouvre. Voilà, donc bien au-delà de tout. Évidemment, ce n'est pas une pensée de l'histoire, une téléologie de l'histoire qu'il trouve chez Marx, ça c'est clair. Ouais. Et c'est pour ça que, pour revenir à la question que vous posiez sur l'action politique de Foucault, bon, qui vient après, qui est certainement influencé, mais ça je laisse aussi Frédéric, je pense, par la rencontre avec Daniel Defer par son activisme et son engagement dans certains mouvements gauchistes, mais ça reste toujours un engagement, il le revendique, local, qui ne s'inscrit jamais dans une position idéologique. Après, c'est aussi, on peut dire, sa faiblesse, mais on peut en discuter, mais bon, qui choisit des lieux de lutte bien spécifiques qui peuvent être loin des lieux de lutte classiques de l'action marxiste. Il va dans les prisons, c'était justement l'expérience du GIP, il s'occupe des sexualités. Voilà, donc c'est vrai que c'est un engagement concret, mais c'est un engagement quand même décalé par rapport à la lutte des classes. Il disait des choses, je me souviens, il disait la révolution c'est bien, mais je veux surtout voir après. Parce que ça débouche toujours sur un État qui est encore pire que le précédent. Donc, mais par contre, il veut bien faire un bout de chemin jusque-là. Il faudrait presque dire quelque chose pour reprendre la phrase de Pascal, la vraie religion se moque de la religion, le vrai marxisme se moque du marxisme. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, et je crois que c'est vrai que des actions comme celle du GIP, c'est-à-dire le problème des prisons, ensuite il construit un groupe information santé, qui l'inspire, le GIS, le GIP, c'était quand même des modalités d'action qui n'étaient pas formatées selon le schéma de la lutte des classes, du prolétariat contre les forces de la bourgeoisie, ou à coup de grève, de manifestations, d'occupation d'usines. Là, on est dans quelque chose, on distribue des questionnaires, on essaye de savoir ce qui se passe, etc. En plus, je trouve qu'effectivement, il essaye de se déplacer aussi par rapport à une grille d'action politique orthodoxe marxiste. Voilà. Si la lutte des classes est devenue une espèce de rhétorique comme ça, juste un peu vide, ça sert à rien, quoi. C'est vrai. Alors, Ariana, vous avez souligné, parce que vous faites une importante étude à la fin, un doublet, comme disait Foucault, entre d'une part l'originaire et l'essentiel. Alors, l'originaire, c'est comme Goethe, il s'imaginait qu'il allait trouver la Urpflanze, la plante originaire d'où dériveraient toutes les espèces de plantes. Bon, évidemment, c'est, n'existe pas. Bon, mais cette fascination, alors, surtout en allemand, de l'Ur, de l'originaire, très important au XIXe siècle, et aussi l'essentiel, quoi, la notion d'essence. Or, il me semble que Foucault dynamite les deux, à la fois. Oui, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est vraiment ces deux concepts qui se trouvent en fait liés dans une dynamique très particulière dans cette période anthropologique, pour ainsi dire, du 19e siècle. Et en particulier, il y a des passages justement sur ces rapports entre origine, originaire, essence, essentiel, quand il parle de Feuerbach. Donc, effectivement, c'est dans ces contextes-là qu'il discute ces notions, mais c'est clairement dans un sens critique. Voilà. Je pense qu'il y a pas de, enfin, il y a deux concepts. Ce sont deux concepts qui sont très clairement depuis le début de la qualité de Foucault très loin de ce qu'il conçoit être l'action philosophique. Voilà, toute son archéologie et puis sa généalogie se construira effectivement dans la recherche d'une pratique critique qui se débarrasse justement à la fois du rêve, d'une essence du discours et d'une origine des événements historiques. Il y a ces textes, Nietzsche, la généalogie et l'histoire de 1970, qui,
qui pointe très bien toute la différence entre une approche généalogique et justement une histoire dès l'origine, avec ce terme UR. Donc, cette co-appartenance, cette fusion, cette dynamique entre la recherche effectivement d'une vérité de l'homme qui soit à la fois sa vérité originaire qu'on aurait perdue et qu'il s'agirait de redécouvrir, et à la fois sa vérité essentielle qui devient aussi une norme, voilà, une vérité normative, l'homme idéal, ce que l'homme devrait être, c'est justement cette imbrication qu'il s'agit de déconstruire quand on parle de quand on va se débarrasser, on se débarrassera de la pensée anthropologique. C'est cette co-appartenance que Nietzsche fait exploser justement. Ouais. Et justement, ce qu'il pointe chez Feuerbach et le jeune Marx, c'est de croire qu'au bout de l'aliénation, on va récupérer l'homme générique, la vérité de l'homme. Exactement. Qu'est-ce que la religion pour Feuerbach est venue justement couvrir la vérité essentielle de l'homme et c'est son aliénation, et que tout parcours de désaliénation va justement redonner l'homme à soi-même, réappartenance de l'homme à soi-même. Et c'est effectivement, pour Foucault, c'est une illusion quand même. C'est une illusion. Qui ne fait pas sortir l'homme de ses rapports, ce que Foucault appelait là le doublé empirico-transcendantal dans Les mots et les choses. C'est cette co-appartenance de vérité et de l'homme, comme je viens de dire, qui enferme la pensée du sujet et qui est encore propre de la phénoménologie. Parce qu'encore une fois, et ça dans les cours, on le sent, cette sorte de rapport... un peu ambigu, mais quand même assez critique, que Foucault commence déjà à élaborer de manière assez claire dans ces années-là, envers la phénoménologie, qui, et surtout la phénoménologie husserlienne, parce qu'un autre discours serait à faire pour la phénoménologie, par exemple, de Merleau-Ponty, je pense qu'on ne peut pas faire. Bon, des distinguos, ça serait à faire. Mais tous les retours aux choses et la réduction eidétique du cercle ne serait au fond qu'une manière de réactualiser cette vocation anthropologique à la découverte d'une vérité originaire. Oui, mais pour reprendre même ce que... toi-même t'exposes dans ta situation comme étant le carré des sens de la vérité. C'est vrai qu'on pourrait, un premier sens de la, quand on pose la question qu'est-ce que l'homme, une première manière de répondre dans la découverte ou la recherche de l'homme vrai, c'est évidemment de prendre vrai au sens objectif, scientifique, expérimentalement déduit, etc. Et ça... Bon, ça peut être une dérive dont il ne veut pas. Il y a un deuxième sens de vrai qui serait dans l'anthropologie, qui est l'homme concret. Voilà. Et on sent bien d'ailleurs chez Feuerbach, comme dit Taille, tout ce post-hegelianisme qui consiste à dire oui, mais toutes ces spéculations trop éthérées, il faut revenir au vrai, il faut revenir au concret, etc. C'est-à-dire au vécu, c'est-à-dire au vécu. À l'authentique. Voilà, à l'authentique. Et ça, Foucault repère bien que ces deux sens, l'authentique et, mettons, le scientifiquement objectif, sont deux tentations comme ça du dispositif anthropologique de la pensée quand elle se dit qu'est-ce que l'homme, mais qu'au fond, les deux pôles qui vont être les plus actifs, ça va être le pôle de l'originaire et le pôle de l'essence normative. C'est-à-dire se poser la question, mais qu'est-ce que l'homme à l'origine, non encore déformé par l'histoire ou par la culture, c'est-à-dire qu'on considère que la vérité, c'est ce qu'il faut aller chercher à la racine même de son éclosion. Donc ça, c'est toute la tentation de retourner aux choses mêmes, etc. Et il y a une autre tension où on va dire, mais non, l'homme idéal, l'essence de l'homme, c'est ce qui va être produit à la fin de l'histoire, c'est l'achèvement. Et tous ces quatre sens forment une espèce soit de symphonie, soit de
cacophonie, pourrait-on dire, dont, alors, le truc de Foucault, mais après, peut-être que, moi j'en sais rien, peut-être que certains phénoménologues vont trouver ça insupportable et faux, c'est de dire, mais Husserl s'en est pas sorti, voilà. C'est-à-dire que, parce que on peut pas faire plus anti-anthropologue anti-anthropologiste que Husserl. C'est-à-dire la phénoménologie se présente comme une anti-anthropologie. Et Foucault dit, au fond, il n'y arrive pas parce qu'il se donne des polarités de la vérité qui le font retomber à chaque fois dans cette espèce de cercle infernal des sens de vérité. Quoi. L'originaire, l'espèce de... d'oscillation, de renversement, originaire, normatif, originaire, l'idéal. En entendant parler, ça me venait effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Nietzsche et Nietzsche analysé par Foucault justement joue sur tous ces sens, de la vérité de l'homme, mais d'une manière à construire presque une parodie farcesque. C'est-à-dire, il utilise Darwin et toutes les données de la science plus positive, mais pour déconstruire une certaine forme de philosophie du cogito. Et puis, il va prendre la psychologie de la volonté qu'il fait jouer contre, justement, une vision naturaliste de l'homme animal. J'ai l'impression que Nietzsche, effectivement, construit toute une... une farce de tous ces sens de la vérité de l'homme, mais pour la faire exploser. Ah ouais, mais c'est bien pour ça. Et on voit bien d'un autre côté que Kant ne se pose jamais la question. Quelle est l'origine de machin ? Et je veux dire, entre Kant et Nietzsche, il y a ce dispositif anthropologique où on dit qu'est-ce que l'homme vrai, c'est-à-dire à la fois premier et terminal, etc. Bon. Oui, mais le cours sur la logique où Kant donne sa version de qu'est-ce que l'homme, c'est très curieux, c'est trois questions. C'est la question qu'est-ce que l'homme, c'est la question 1, que puis-je savoir, 2, que dois-je faire, 3, que m'est-il permis d'espérer. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ah ben, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, il y a une très jolie expression que je reprends à la situation d'Arianna Sforzini, où elle écrit... Kant dessine une pente qu'il s'interdit lui-même de dévaler. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire à un moment, il dit oui, on pourrait réunir ça dans la question qu'est-ce que l'homme ? C'est-à-dire que Kant permet, d'une certaine manière, constitue le bord externe de l'anthropologie, mais lui-même, c'est pas. Parce qu'au fond, dans ce cours, parce qu'en même temps, on est d'accord, il y a un texte de Kant qui s'appelle l'Anthropologie, qui sont des leçons, etc., qu'il a traduit. Mais l'anthropologie du point de vue pragmatique. Voilà, c'est-à-dire que on va reprendre les catégories transcendantales et on va se poser la question, oui, mais dans l'usage mondain, qu'est-ce que ça donne ? On va prendre les catégories morales et dans l'usage mondain, qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire la manière dont on peut recodifier, mais cette recodification dans les termes de l'usage de catégories transcendantales a priori ne sont pas la vérité. C'est-à-dire on n'est pas dans l'homme, surtout que... la raison a priori, les catégories a priori de la raison ne sont pas humaines. Je résumerai, Kant se pose la question de comment l'homme peut habiter la vérité, mais pas qu'est-ce que la vérité de l'homme. Enfin, il ne va pas jusque-là. Tandis que c'est comme si, après lui, bon, on oublie un peu cette question de ces liens entre l'homme et la vérité, où la vérité est quand même en dehors de lui, et on replonge dans un questionnement seulement interne, presque, de la vérité de l'homme. Bon, après, c'est vrai que ça reste très compliqué parce que c'est ambigu. Je veux dire, le texte de la logique, c'est vrai qu'il dit ben oui, tout se résume dans la question qu'est-ce que l'homme ? Alors, est-ce qu'il faut dire ? Ça me fait penser à Lévinas, qui est un auteur qui est complètement étranger à Foucault.
qui dit à un moment qu'est-ce qu'un homme un homme intégralement raisonnable pourrait raconter à un autre homme intégralement raisonnable. Pas grand-chose. Mais en revanche, ce qui est très important chez Kant et qu'il voit, c'est que il monte dans une première partie quand même, et qui est assez intéressante, parce que c'est les premières fois où on voit, enfin, et peut-être les seules fois où Foucault parle de Malebranche, de Leibniz, de Descartes, c'est-à-dire vraiment il habite cette pensée classique pour essayer de montrer en même temps combien la question de l'homme est impensable. Ça se pose pas. Et il prend à chaque fois trois catégories que sont l'imagination, le bonheur et la nature. Et il montre bien que chez les classiques, au fond, quand Descartes se pose la question de la nature, assez vite, la nature, c'est la manière dont s'extériorise le verbe de Dieu. C'est-à-dire la nature, c'est quand même quelque chose comme le plan d'immanence, mais habité par des lois divines, une rationalité, etc. Ensuite, quand il prend l'imagination, il va plutôt chez Malebranche, etc., pour montrer qu'au fond, dans l'imagination, quand la manière dont l'imagination va me renseigner sur ma sensibilité, mon corps, tout ça est suprêmement codé par, encore une fois, des choses qui sont... une rationalité supérieure, et comment la vérité même du bonheur, c'est ce que rappelait Ariana, elle s'épuise dans la grâce, etc. Et ce que fait Kant, en reprenant la nature, le bonheur et l'imagination, c'est de casser le dispositif classique. C'est-à-dire, Kant casse le dispositif classique en montrant que la manière dont la nature, l'imagination et le bonheur ne sont plus nourris directement par un verbe divin, il casse ça, mais pour autant, il rend possible l'anthropologie par cette brisure critique de la métaphysique classique, et pour autant, il l'instaure pas lui-même. Donc c'est un, voilà, c'est du moins c'est l'anthropo. Hein? C'est la lecture de Foucault. C'est sa lecture. Mais même dans Les mots et les choses, le statut de Kant est quand même purement de transition, comme ça, c'est une espèce de truc assez bizarre. Oui. Alors, il y a une question qui se pose à partir de la lecture de Feuerbach et de Marx, la question de l'aliénation ou de la désaliénation, si vous voulez. Est-ce que Foucault... Peut-être Ariana est plus Ariana. Solide là-dessus. Un petit peu de ça, Foucault. Hein. L'aliénation, non. C'est pas son truc, si. Ah non, je pense pas qu'on puisse dire. Il l'utilise et les discute évidemment par rapport à Feuerbach, ouais. Au marxisme, à Marx. Mais parce qu'encore une fois, c'est un concept. Qui appartient, qui est crucial dans les dispositifs anthropologiques, mais qui renvoie, comme on a dit, à cette idée qu'il y aurait une vérité de l'homme. Voilà. Enfin, aliénation, c'est l'homme qui perd sa vérité, qui s'aliène dans quelque chose qui, justement, peut être la religion pour Feuerbach, ou alors le travail salarié pour Marx, mais... Mais voilà, dont il y a un procès de désaliénation, qui serait un processus pour revenir à cette vérité oubliée, cette vérité cachée de l'être humain. Et tous ces processus n'est évidemment très étranger à l'attitude philosophique de Foucault. Oui. Foucault l'aimait bien, bien en évidence en discutant, en parlant justement de la manière dont déjà, Feuerbach matérialise, concrétise un peu ce concept d'aliénation qui vient d'Hegel, au fond. Mm-hmm. Donc, pour Hegel, c'était un processus, évidemment, de l'esprit, d'évasion de l'esprit. Feuerbach les ramène sur un plan qui est celui d'un matérialisme sensible, donc dans l'homme incarné, dans l'homme concret.
Et puis, avec Marx, il s'agit de faire encore un pas de plus et d'aller vers une sortie presque de la philosophie, de passer de la pensée à l'action, oui. Avec la sortie de l'homme de son état d'aliénation. Oui. Donc, non, voilà. Non, parce que je pense à ce qu'écrit Foucault, qui est... il dit à un moment dans le cours, pour Marx, l'homme n'est pas aliéné. Alors, on se dit à un moment, il dit non, il n'est pas aliéné, il est juste exploité. Mm. Ah, c'est-à-dire, dire l'homme est aliéné, c'est laisser penser qu'une solution pourrait être la reprise par la philosophie de l'essence humaine originaire. Comme si un processus théorico-spirituel. Mm-hmm. Pouvait finalement sauver l'humanité. Si finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut penser la vérité de l'homme, et une fois qu'on l'aura pensée, eh bien, elle pourra se réaliser. Voilà. C'est une critique envers tous les humanismes, les marxistes humanistes époque. Beaucoup de monde, parce que finalement, beaucoup de gens qui ont cru à la désaliénation, parfois par des voies, ce n'est pas toutes les mêmes, mais qui sont... Enfin, en tout cas, Foucault dit très bien que, c'est, au moins pour Marx, il y a la révolution à faire. La révolution, on sait bien qu'elle débouche sur une nouvelle aliénation, qui est une espèce de renversement. Oui, mais c'est pour ça qu'à un moment, il préfère même, quand il parle de l'Iran, par exemple, il va parler de soulèvement. Il va dire, au fond, il y a une parole, mais là, on est 20 ans après. On est dans les années 70 ou 78, où il a une phrase où il dit, au fond, la révolution fait partie de l'histoire, elle s'y couche. C'est-à-dire, il reprend cette espèce de thématique hegeliano-marxiste, comme quoi la révolution pourrait apparaître comme... finalement, la réalisation des promesses de l'histoire. Oui. Je dis, c'est la présentation même par Hegel des grandes secousses historiques. Et il dit, mais au fond, le soulèvement, c'est autre chose. Ça coupe le temps à la verticale. Alors, il est obligé de prendre des assez curieux, des expressions en même temps poétiques. Et il va même chercher du côté religieux. Il dit c'est l'équivalent de la grâce pour la religion. Alors là, on se dit, on ne sait plus. On se dit, où va-t-on, quoi, surtout qu'il parle de spiritualité politique. Mais en tout cas, il y a un refus de lire... Il y a l'idée que lire la révolution comme accomplissement de l'histoire, on ne peut plus, ça ne marche plus. Le problème de ces textes sur l'Iran, les débats qu'ils ont suscités depuis, mais c'est certain que ce qui le fascine dans ces révoltes, dans ce qui se passe en Iran en 78, c'est justement que parfois il y a des ruptures dans l'histoire. Et c'est ça, la révolution qu'il sauve, si on peut dire comme ça, qu'il appellera justement soulèvement, parce que révolution, c'est trop chargé, c'est un terme, comme tu le dis, trop chargé d'un point de vue de la théologie de l'histoire, théologie de l'histoire sans doute aussi. Mais dans un entretien avec Pierre Blanchet, avec un journaliste, il dit « j'ai vu défiler la volonté générale ». Sous les fenêtres de mon hôtel, quoi. C'est curieux parce que... Oui, mais parce que... Il y a deux choses. Première chose, d'abord, il faut bien savoir que dans ces années-là, tout le monde braquait quand même sa lecture guerre froide, camp capitaliste contre camp socialiste, etc. Et Foucault reconnaît que Est-Ouest, c'est fini, quoi, et que c'est autre chose qui se passe. Et je trouve que là, il y avait quand même une espèce de lucidité dans cette manière de reconnaître que ce soulèvement avait une signification qui débordait les grilles de lecture dont on pouvait disposer dans les années 70, qui était celle... Alors, est-ce qu'ils sont plutôt soutenus par les Russes ou par les Américains, etc. Et là, on nous disait, c'est autre chose qui arrive, c'est autre chose. Et deuxièmement, quand vous dites oui, c'est vrai qu'il était fasciné, par l'aspect... Par l'aspect
par l'aspect collectif, oui. Mmh. Voilà, par quand vous dites oui, la volonté générale, ouais, par l'aspect, par l'aspect collectif, oui. Ouais. Presque, ouais. Par l'aspect liberté, non ? Parce qu'encore une fois, quand il parle de Marx, il parle de liberté aussi. C'est ce qu'il voit, enfin, il croit voir, ou il voit dans les rues de Téhéran, c'est aussi un peuple qui se soulève, oui, librement, enfin, oui, ou librement, oui, après, bon, ah, et puis, sans imposition. Bon, mais on va pas discuter de ça. Ouais. Je trouve que dans la parole qu'il a à un moment, en disant, au fond, ces gens-là, comment dire, risquent leur vie pour protester contre un régime injuste et criminel, qui était quand même le régime du Shah, oui. Et il dit on ne fait pas la leçon à des gens qui soulèvent leur vie, au nom d'une logique de l'histoire, en leur disant, mais de toute façon, ça va donner ceci. Puis on ne savait pas ce que ça allait donner. Je veux dire, on était en 78, pas en 79. C'était pas... Oui, voilà, c'est... Oui. Donc c'est rétrospectivement qu'on a dit, ah, 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 regardez comme il s'est trompé, et voilà, on trouve ça très... mais bon. Oui. Il y a plein de gens qui ont essayé de voir des contradictions chez Foucault. Bon, excuse-moi, Luc Ferry, quand il dit... Ah oui, il est anti-humaniste, mais quand il se bat pour les prisonniers, il est humaniste. Ouais. Bah, c'est deux sens différents de mot homme. Oui, les joues sur... Ah, sur une... Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Il a été gaulliste dans sa jeunesse. Il a été... Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, oui. Bon, faut voir. Oui. Quoi ? Ah, oui, il a failli accepter même un poste de diplomate. Puis il a choisi d'autres. Ouais, exactement. Ouais. Puis il a choisi d'autres voies. Quand il était en Suède, et donc c'est juste avant de partir en Suède. Je vous fais les transitions là. Qu'il écrit, l'anthropologie philosophique. Voilà. Il a été en Pologne. Suède, oui. Ouais, et ensuite en Pologne. Ouais, voilà. C'était peut-être d'autres questions. Bon. Par exemple, il y a quand même quelque chose pour moi qui reste un peu mystérieux. C'est le passant-passage, justement, de la psychologie. Non pas qu'il aurait pu être. Psychologue, mais son passage du courant phénoménologique autour des tests, notamment autour de Binswanger, etc., dont à un moment donné, il dit Binswanger fait parler les images du rêve. Hein. Freud fait parler le rêveur, Binswanger fait parler les images. Et est-ce que là, c'est une. C'était un devenir possible de Foucault, et il est très lié à ce moment-là à une sorte d'anthropologie, même si on ne dirait pas le terme. Il est lié, Il est très lié chez Binswanger à une anthropologie de l'imagination. Et c'est précisément cette imagination qui va le faire dépasser Binswanger. Et il faut bien voir que jusqu'au bout, le problème du rêve a été presque aussi important et aussi décisif que celui de la folie pour Foucault, pour évaluer justement, en tout cas pour penser. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit dans ce cours qui est quand même traversé par le problème, mais de bout en bout, de l'imagination, de l'esthétique et du rêve. Et les questions qu'il va poser à Feuerbach et à Diltay, c'est celle de l'expression artistique et de la manière dont précisément il y a des processus d'appropriation d'appropriation de la nature où l'art joue son rôle. Et qu'est-ce que c'est quand je dis que l'anthropologie de l'imagination fait dépasser Binswanger, c'est qu'il y a ce moment où, chez Nietzsche, il trouve la formule selon laquelle le rêve doit être ce qui, philosophiquement, doit nous faire douter du prestige et de l'évidence de l'état de veille, comme l'erreur
doit être ce qui, philosophiquement, doit nous faire douter du prestige de la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, faire trembler les choses. Quoi. Quand Arianna Sforzini disait, au fond, cette espèce... Parce que ce que non, pardon, je parle beaucoup, désolé. Je m'emballe en repensant à la lecture de ce cours. Parce que ce cours m'a permis de comprendre un passage que je n'avais pas compris quand j'éditais le dernier cours de Foucault sur les cyniques. Voilà, sur les cyniques. Et à un moment, il a cette expression où il dit, au fond, ce qui m'a toujours intéressé, le vrai problème qui m'obsède, c'est le problème du rapport entre la liberté et la vérité. Voilà. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que ça veut dire qu'il s'occupe? Est-ce que son problème, c'est la censure? Est-ce que c'est les droits d'expression? C'est-à-dire, j'avais une vision, j'allais dire, de cette... De ce moment, il y a ces moments où Foucault dit « voilà ce que j'ai toujours voulu penser », etc. Donc on frissonne un peu en se disant « on va trouver quelque chose ». Et là, ce truc de la liberté et de la vérité, en même temps, c'était dans un cours sur la parésia cynique, ouais, c'est-à-dire sur cette espèce de vérité dans une puissance de provocation. Et en lisant ce cours, j'ai compris à quel point ce qu'il trouve chez Nietzsche, c'est une puissance de liberté et de dire qu'au fond, la seule dignité de la philosophie, c'est de se situer à un point où le problème n'est plus l'intelligence, mais le courage. Et que le problème que nous pose, que la vérité est plus un problème de courage qu'un problème de vérité, c'est-à-dire oser penser. Et que ça suppose une liberté. Et quand je disais tout à l'heure, c'est le problème du rapport aux Lumières, c'est exactement ça je voulais dire. C'est-à-dire que Foucault se revendique comme étant un penseur des Lumières. Il le revendique, il se dit fils de l'Aufklärung. Mais simplement, ce qu'il appelle les Lumières, c'est cette puissance de la liberté qui nous autorise à faire trembler les évidences. Et voilà, et même à poser la question de savoir, mais jusqu'à quel point est-ce que la vérité, pourquoi la vérité serait supérieure à l'erreur. C'est ça, que c'est quand il lit ça chez Nietzsche qui se met à trembler et à se dire, mais tout ce que j'ai écrit auparavant sur machin, ça tient plus, quoi. Enfin, ça tient plus, vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, ce qu'il voit bien chez Nietzsche, c'est cette espèce d'explosion du fait que, voilà, la vérité de l'homme... Enfin bon, est-ce que la vérité, c'est pas ce qui est insupportable? Est-ce qu'on peut penser tous ces trucs sur périr par la connaissance? Peut-être que la vérité, peut-être qu'on est plus fait pour le mensonge que la vérité, parce que la vérité, on la supporte pas, etc. Ce qu'il appelle le tragique. Il est habité, enfin, en lisant Nietzsche, bon, moi, c'est ce que je sens, quoi, comme c'est ce qui me fait aimer passionnément ce cours, c'est qu'on voit la bascule. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que c'est, enfin, au fond, c'est pratiquement un tiers du cours, la partie consacrée à Nietzsche et la partie finale. Et je pense que c'est vraiment là qu'on voit l'essence du travail de Foucault. Et c'est effectivement c'est les passages sur Nietzsche qui sont parfois obscurs. Hein, c'est un cours exigeant. C'est pas parfois, il reprend aussi, il mime un peu le style nietzschéen. Donc c'est très poétique, c'est très rhétorique. Mais en même temps, on sent bien qu'il a trouvé quelque chose comme et disait Frédéric, d'un éthos philosophique, qui est celui, effectivement, de voir dans la vérité, non pas, encore une fois, non pas l'essence cachée à découvrir, mais plutôt une sorte de mythe, bien sûr, mais d'un mythe dont on peut s'approprier pour en faire quelque chose, pour créer des formes nouvelles d'existence, de pensée, des subjectivités aussi. Bon, ça, il le dira après. Mais... Ouais. C'est ça. Mais après, je veux dire, c'est ce qui fera qu'ensuite, il aura même toute cette discussion qui peut apparaître comme très académique et tout, avec Derrida sur Descartes. Parce qu'il est axé à un moment sur...
je dis les choses comme ça, de manière très maladroite, mais le principe selon lequel la liberté est supérieure à la vérité. Mmh. Je veux dire, si la liberté est supérieure à la vérité, c'est Dieu créateur des vérités éternelles. C'est ce geste-là. C'est la puissance du doute. 2 plus 2 égale 4, et bien si je ne veux pas. Voyez, alors, on peut dire, le problème, évidemment, ce serait aujourd'hui, j'allais dire, la traduction aujourd'hui, c'est de dire, ah bah ouais, bien sûr, il rationalise, c'est du lyrisme sentimentalo-gauchiste, inutile, etc. C'est de faire de cette position-là quelque chose comme, un relativisme facile. Non seulement facile, mais même dangereux, en disant, mais enfin, c'est vachement dangereux ce que vous dites là, parce que nos grandes vérités laïques, si on commence à pouvoir dire, bah, après tout, je peux ne pas être d'accord ou me dire, mais est-ce que l'univers est bon? Alors, il faut affronter sans doute ce débat-là, mais il faut bien voir que pour Foucault, ce qu'il trouve chez Nietzsche, c'est que ce n'est pas du côté de la facilité. C'est du côté de la mise en danger. Oui. Et une pensée, la liberté est ce qui fait apercevoir que est vrai ce qui met en danger. Et je veux dire, ça forme une courbe. Alors, c'est encore une fois, enfin, moi, je n'ai pas établi ce cours, mais j'ai établi le dernier 84, mais vous avez une courbe parfaite jusqu'au cours sur les cyniques, où il reprend l'expression en disant, j'ai trouvé dans votre vérité, dans vos questions aussi, puisqu'on avait parlé des questions sur lesquelles on pourrait en poser, et vous dites, en disant, mais au fond, il ne cesse de parler du dire vrai, ouais, etc. Et à un moment, Foucault emploie l'expression du véridique. Il dit, il faut dépasser la métaphysique de l'idée vraie en étant soi-même la vérité. Voilà. Et être soi-même la vérité, c'est se mettre en danger. Et si la vérité est ce qui met en danger la pensée, c'est qu'on est dans quelque chose qui s'appelle la philosophie. Toute philosophie qui considère que la vérité ou que le processus de vérité est là pour conforter les évidences et les certitudes est en dehors des lumières. Bon, après, ce n'est pas une leçon. Voilà. J'imagine que vous avez des questions. Alors, qui veut, monsieur ? Monsieur qui est au troisième rang, là. Voilà. Merci. Il y a tellement de choses à dire à propos de... Quand Foucault annonçait la mort de l'homme, est-ce qu'il pensait à son extension, à son... Pardon ? Oui, on vous entend. À son... à sa fin, ou est-ce que c'était la fin du savoir ? Autre chose, il aurait été peut-être utile de rappeler ce cours sur le néoréalisme, libéralisme, qu'il avait donné en 79, si je pense, au Collège de France. Et on l'avait accusé d'avoir quelques, disons, sympathies pour les idéologues du néolibéralisme. Beaucoup de questions. Hein. Encore une fois, je pense qu'il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'on entend par homme. Parce que, clairement, Foucault n'avait, j'imagine, pas du tout en tête ce qu'aujourd'hui on appellerait, on pensait du transhumanisme ou même d'une certaine pensée écologique. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comme ça peut se tous ces discours peuvent être repris et réactualisés aujourd'hui dans l'idée justement de la pensée écologique, qu'il est nécessaire de s'éloigner d'une certaine idée de la domination, de la primauté de l'homme sur la nature et replacer l'homme dans un même niveau que les autres êtres vivants. Mais voilà, je pense que Foucault n'avait absolument pas dans la tête la fin de l'homme dans ce sens-là, mais certainement la fin d'un certain savoir sur l'homme, qui est ce savoir bien précis qu'il décrit quand il parle d'anthropologie.
et qui, en fait, voilà, comme on a dit, ce n'est pas l'anthropologie philosophique, ce n'est pas l'anthropologie culturelle, c'est une manière de faire de la question anthropologique, de la question sur la vérité de l'homme, l'essence de l'entreprise philosophique, et qui est quelque chose... C'est une épistémée, hein, il n'utilise pas ces termes, mais c'est une configuration du savoir bien spécifique. Et c'est cette configuration du savoir qui, pour Foucault, touche à sa fin. Ce n'est pas, l'homme en tant qu'être humain. Et puis j'ajouterai une dernière question, très laconique. On le surnommait le prophète de la mort, alors même qu'il prônait de faire de la vie une œuvre d'art. Je ne connaissais pas cette expression, prophète de la mort. Et effectivement, oui, parce que moi, je pense qu'il avait cette idée que quand il parle de la mort de l'homme, c'est ce sens très nietzschéen, au fond, de faire mourir un certain savoir sur l'homme pour ouvrir ce que Nietzsche appellera les surhommes. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui vient après. C'est jamais une pensée apocalyptique, celle de Foucault. C'est pas voilà, c'est découvrir, d'ailleurs c'est même pas, enfin c'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on peut découvrir aux marges de notre histoire, mais de repérer les bords où quelque chose qu'on pense être une vérité absolue en réalité c'est démontre être une construction historique qui touche vraisemblablement à sa fin, mais pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Parce donc oui, effectivement, moi je il n'y a pas de télos chez Foucault, il n'y a pas d'arché, il n'y a pas de télos. Absolument, mais il n'y a pas forcément de fin au sens absolu du terme. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, puis sur le néolibéralisme. Juste après, tu pourras revenir là-dessus, mais je voudrais d'abord prolonger... j'allais dire ton intuition, c'est peut-être plus développé qu'une simple intuition, mais l'idée qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut s'en rendre compte, les grands discours écologiques qui comptent aujourd'hui sont des discours anti-humanistes, au sens où on se rend compte que précisément, on souffre aujourd'hui de notre distinction monde animal-humanité, nature-culture, et que tous ces cadres qui sont quand même à la qui sont fondateurs pour l'humanisme, sans parler même des droits de l'homme, etc. Et toutes ces tentatives de parler, de se dire mais est-ce qu'on pourrait pas donner des droits à un fleuve, ou des droits des animaux, etc. Alors on trouve parfois que ça peut être ridicule ou du sentimentalisme, mais je trouve que non, ce sont des discours qui font rentrer, qui nous disent que nous sommes justement, alors là, pour le coup, menacé par une extinction, mais cette fois de l'espèce humaine, dont ne nous sortira aucun discours humaniste. Et qu'il faut réfléchir à ce qu'est l'anthropocène, à ce qu'est Gaïa, pour reprendre l'expression de ou le partage. Enfin, vous y invitez tous les deux, enfin, des penseurs comme Descola, Bruno Latour, etc., sont des penseurs, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui tentent de penser le vivant précisément sur des bases anti-humanisme, d'un anti-humanisme théorique. Et vous n'allez pas me dire que c'est... Oui, que c'est, vous voyez, on sent bien qu'il faut se débarrasser de certains fondamentaux de l'humanisme pour pouvoir penser autrement le rapport à la culture, au vivant... etc. Ça avait été commencé d'ailleurs déjà par Lévi-Strauss quand il pense le rapport aux animaux. Il dit mais au fond si vous séparez l'homme de la bête, vous ne vous interdirez jamais de traiter d'autres hommes comme des bêtes. Ce qui est vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut, que la querelle de l'anti-humanisme, on peut la retrouver aujourd'hui, et qu'elle peut être très féconde, très, très féconde, et que ce n'est pas aussi évident que ça, qu'il faut être humaniste, que les droits de l'homme, c'est l'alpha et l'oméga de la politique, etc. Et pour la deuxième question, je crois qu'effectivement,
Je pense quand même, je ne sais pas si Arianna serait d'accord avec ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails non plus biographiques, mais le rapport de Foucault lui-même à la mort était un rapport qui était quand même très, très particulier. Je veux dire par là qu'on sent très bien à travers son œuvre quand même qu'il n'a cessé de penser qu'une certaine intensité vitale s'ouvrait à ce risque-là comme risque suprême. Et que c'est au moment d'ouverture à ce risque, alors que ce soit dans ses lectures de bataille, de l'extase, que ce soit même quand il parle de la clarté de la mort dans Naissance de la clinique comme puissance de révélation. Je veux dire que par rapport à un penseur comme Deleuze, il y a moins franchement une espèce de spinozisme vital de base. Voilà, chez Foucault, je trouve que c'est un peu plus... Oui, et en même temps, effectivement, je ne sais pas, mais moi, j'y vois quand même pas quelque chose de nihiliste dans cette... même dans cette capacité de s'épousser aux limites, mais pas pour une destruction qui soit finalisée à soi-même, d'une certaine manière. Mais c'est toujours pour ouvrir. Et pour le néolibéralisme. Si, je voulais juste ajouter, ça continuait ce que tu venais de dire. Effectivement, c'est intéressant que dans ces cours, on l'a rappelé, tu l'as rappelé tout à l'heure, les thèmes de la nature est quand même très important. Ah, Et c'est comme si effectivement, on voit aujourd'hui ressurgir une pensée de la nature, paradoxalement, qui irait rejoindre un peu la nature de l'âge classique, c'est-à-dire une nature dont l'homme n'est plus la vérité. Bien sûr, après, à l'âge classique, c'était Dieu. Aujourd'hui, on a moins cette dimension théologique qui est présente. Mais la phrase de Spinoza, « L'homme n'est pas un empire dans un empire », elle a quand même... Pardon, donc oui, sur le néolibéralisme, je ne sais pas si... Mais bon, là aussi, c'est un énorme... On pourrait en débattre pendant des heures, mais je pense que certainement, en tout cas, Foucault était fasciné par une certaine idée de la liberté. Et que peut-être il est allé jusqu'à voir si cette idée de la liberté pouvait se retrouver dans l'histoire du libéralisme économique. Après, je ne suis pas sûre qu'il ait adhéré à cette idée, mais... Parce que vous avez rappelé la date quand même, 79, on est avant Thatcher et avant Reagan. Ce qui construit comme néolibéralisme, c'est des choses qui construit à partir du colloque de Lippmann, etc. Oui. Je trouve qu'il a trouvé ça diabolique et génial, mais vraiment au sens où il a senti qu'il y avait quelque chose de nouveau. Je veux dire, se considérer l'idée qui nous paraît complètement aujourd'hui d'une banalité extrême de l'auto-entrepreneur. Parce qu'on ne peut pas avoir anticipé les risques. Après, il faudrait voir les textes de Prémoy. Moi, je pense qu'il les anticipe. Mais enfin, après, je... Il ne pouvait pas imaginer que ce serait si diabolique que ça. Peut-être que je lui prête trop, mais je trouve que c'est pas... Enfin, après, il y a des différences de lecture. Je trouve pas que... Mais bon. C'est des appréciations qui sont subjectives. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la fin. Et après, il part dans le christianisme et il revient au 1er, 2e siècle. Et que ça a été... En plus, ça a duré. C'est ça qui est fou. C'est que ces cours qui ont été quand même repris avec beaucoup de... par Dardo Laval, par tous les penseurs, beaucoup de penseurs aujourd'hui... Son incursion néolibérale aura duré, mais 5-6 mois au maximum. C'est assez fou, cette espèce de puissance. Comme ça. Alors, y a-t-il une autre question ? Oui, madame. Attendez, le micro arrive. Je vous remercie, surtout d'avoir comparé la pensée de Foucault à d'autres philosophes, mieux par comparaison. Et j'aurais voulu savoir comment se situait Foucault par rapport à la pensée de Sartre, étant donné que vous avez évoqué le fait que l'essence de l'homme, ce serait ce qui serait produit à l'achèvement. Merci. Tu veux commencer ?
Je veux bien commencer. C'est vrai que c'est une question compliquée. On peut la prendre de manière anecdotique, si vous voulez, c'est-à-dire au niveau de ce qu'il a pu dire. Vous voyez, parce qu'il y a deux questions, c'est-à-dire comment lui-même a considéré la pensée de Sartre, et puis, j'allais dire de manière surplombante, qu'est-ce qui pourrait... Bon, il y a eu l'épisode des mots et les choses qui a été assez dévastateur pour leur relation, parce qu'ils sont vraiment traités de... Enfin bon, c'était une espèce de fâcherie théorique assez énorme quand même, parce que voilà, Sartre disait, mais au fond, il n'y a qu'un seul truc que Foucault a oublié dans les mots et les choses, c'est un truc qui s'appelle l'histoire. On a l'impression que ça n'existe plus, et pour lui, c'est comme les lanternes magiques, parce que c'est vrai que c'était des épistémées. Donc on a une lanterne, et hop, une deuxième image, une troisième image. Enfin, les dynamiques profondes, tout ça, ça n'existait pas. Alors Foucault lui a répondu que c'était de façon un homme du 19e siècle, ce qui semblait être une insulte à ce moment-là, etc., et que c'était vraiment le représentant d'une philosophie complètement has-been. Donc il y a eu ça, qui a duré quelques années, mais qui a été, parce que vous le rappeliez, mais les mots et les choses, c'était quand même l'annonce, l'homme est mort. C'est-à-dire, on ne cessait, c'est un bouquin qui a été quand même, ça a été un succès d'édition. Mais on n'imagine pas à quel point ce livre aussi difficile a pu se vendre à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Très vite, c'était une espèce de phénomène culturel en soi. Et on disait partout, eh oui, il y a un livre qui annonce que l'homme est mort et que c'est déjà fait, etc. Et que ça, d'ailleurs, ça ne fait pas très longtemps qu'il existe. Bon, voilà. Donc, c'était... Et il y a eu toute cette polémique, voilà, qui... Alors, Foucault, lui-même, c'est le moment où, après, il part en Tunisie. Donc, c'est vrai qu'il a pu prendre de la distance par rapport à ça. Et par rapport à Sartre, ils se sont rejoints ensuite, dans les années 70, sur un certain nombre de luttes, qui étaient des luttes antiracistes, l'assassinat à la Goutte d'Or, etc. Ils ont été... Il y a des photos... oui, les manifestations où ils ont été ensemble, cela dit, voilà. Et puis après, il y a peut-être un dernier texte dans les dernières années, au fond. Voilà, ce que dit Foucault, c'est que comme Sartre, il est un penseur aussi de la liberté, sauf que cette liberté n'est pas humaniste. Parce que je veux dire, Sartre, c'est quand même l'existentialisme est un humaniste. Voilà, c'est-à-dire que... Je ne sais pas comment dire, mais on pourrait dire, mais vraiment pour aller très vite, c'est très grossier, que je ne sais pas si ça, on pourrait me contredire, et allez-y, hein, contredit. Ouais, mais c'est vrai que Foucault est plus nietzschéen, et je dirais que Sartre est plus, surtout au niveau de la critique de la raison dialectique, plus spontanément marxiste, voilà, que nietzschéen. Je dirais les choses un peu comme ça, mais ça a été deux références très très fortes de la philosophie. Je pense qu'il y a vraiment presque un conflit générationnel. Enfin, Foucault voulait construire sa position des manières bien différentes à celle qui avait été la figure de l'intellectuel par excellence, de l'intellectuel engagé par excellence, c'est-à-dire Sartre, mais qui fait partie d'une génération avant la sienne. Et effectivement, il y a cette distinction assez nette. Foucault se revendique dans plusieurs textes d'une position d'intellectuel situé et spécifique, voilà, qui ne se posera jamais en conscience de la société, qui donnera jamais des indications de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit voter, comment il faut penser, et qui simplement nous aidera à faire la critique des situations, des choses, des problèmes bien spécifiques, comme par exemple effectivement la prison, parce que ça faisait problème à son époque, la sexualité, parce que c'était effectivement quelque chose de questionnable et problématique à son époque. Mais voilà, il n'aura jamais une position de porte-parole idéologique de la société, tandis que pour Sartre, effectivement, l'intellectuel avait encore ces rôles-là. Avait ces rôles-là typiquement marxistes. Peut-être qu'il y a aussi autre chose. Souvenez-vous de l'entretien de Deleuze et Foucault sur l'intellectuel outilleur. C'est-à-dire que les concepts deviennent, avec Foucault, avec Deleuze ou d'autres encore,
des outils. C'est-à-dire une pensée du bricolage. Hein. On a besoin d'un concept, on va chercher dans la boîte, la sienne ou celle du copain, et puis voilà, on le fait travailler. Mm-hmm. Et ça, alors, Sartre est encore un philosophe de l'idée, est encore un philosophe de la grande tradition française de Brunswick, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Et Foucault a donné, et c'est-à-dire, c'est intéressant parce que, c'est, me semble-t-il, ça va dans le même sens que ses pratiques politiques. Hein, parce qu'il il dépasse complètement la vision marxiste du monde qui était la doxa de tout le monde, presque, à l'époque. Alors je souriais, parce que pour revenir à votre question sur les rapports entre philosophes, je me souviens de ce que m'avait dit Paul Ricoeur à un moment. Et vous savez qu'au moment de la nomination de Foucault au Collège de France, il y avait un concurrent qui était évidemment, enfin qui était Paul Ricoeur. Et la lutte a été, je crois, assez dure. Il y a eu des coups bas, etc. Et en plus, on est à la fin des années 60. C'était très très dur. C'était très engagé, etc. Et Ricoeur, que j'avais rencontré, mais bien après, hein, et puis qui d'ailleurs appréciait Foucault. Si vous prenez Temps et Récits, il y a des tas de choses sur l'archéologie, etc. C'était un lecteur de Foucault. Me dit, mais quand je pense à ce qu'ils ont pu dire de moi, et Foucault, deux cours au Collège de France, comment ça s'appelle ? L'herméneutique du sujet et subjectivité et vérité. Ah, mais si on avait su, parce qu'évidemment, s'il avait été critiqué, Ricoeur, à ce moment-là, c'est comme philosophe du sujet, de la vérité, de l'herméneutique, etc. Donc, c'est un souvenir qui me revient sur en même temps, ça dit quelque chose de l'insituabilité, voilà, foncière de Foucault. Je dirais, est-ce qu'il est structuraliste, est-ce qu'il est humaniste, oui, est-ce qu'il est... C'est un peu compliqué. Ouais. Allez, une autre question. Non ? Oui ? Allez-y. On a même dit qu'il s'était rapproché à un moment donné des nouveaux philosophes et qu'il a raccroché. Est-ce vrai ? Oui. Alors, il y a eu, c'est vrai que la position de Gilles Deleuze par rapport aux nouveaux philosophes, c'est-à-dire, quand je dis nouveaux philosophes, c'était Bernard-Henri Lévy, c'était Finkielkraut et c'était Glucksmann, a été une position très, très dure. Vraiment très très dur, et Foucault a été un peu plus conciliant. Après, dire qu'il s'était rapproché, j'irai pas jusque là, mais disons qu'il n'y a pas eu cette espèce d'attaque très très frontale de. Oui, il y a même eu des rencontres à Vézelay autour de. Oui. Clavel. C'est ça. Foucault, ouais, ouais, Christian, ouais, Jean Bett. Oui. Et Glucksmann y était aussi. Oui. Bonsoir et merci pour cette conférence, cet échange. Moi, je voulais vous demander, sur un plan pratico-pratique, comment se présente le cours de Foucault, les cours de Foucault aujourd'hui sur le plan éditorial? Bon, j'ai vu dans la présentation que vous y êtes pour quelque chose, Ariana, mais si vous pouviez m'en dire un ou deux mots. Merci. Alors, comme je le disais, les projets dont ces cours, la question anthropologique fait partie, s'appelle les cours, c'est une série, les cours et travaux de Michel Foucault avant les Collèges de France, donc qui est né avec ce désir de publier une série de manuscrits, cette fois-là, donc pas forcément d'enregistrement, qui se trouve conservé à la Bibliothèque nationale de France. Donc, qui ont été, après que ce fonds immense, hein, ces 40 000 foyers, a été cédé donc, par Dan, qui s'est trouvé dans la maison qui était celle de Foucault, hein, à sa mort. Daniel Defer l'avait mis dans un caveau en banque, si je ne me trompe pas, pendant quelques années. Et puis en 2013,
il a vendu à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, on a retrouvé toute une série de manuscrits qui montrent effectivement tout un parcours de Foucault, intellectuel et professeur, avant d'être nommé au Collège de France. Et que donc, on a décidé de... Frédéric aussi en fait partie de ces comédies éditoriales, avec d'autres personnes comme Elisabeth Abasso, Philippe Sabot... Bernard Harcourt, d'autres, Daniel Lanzini, qui ont édité ces textes ou qui vont les éditer dans les prochaines années. On a décidé de les republier sous la forme et dans la, enfin, dans la, si je peux prendre les livres, dans la même, voilà, dans la même collection et sous la même forme que les cours au Collège de France. Après, comme je le disais, il s'agit pas, c'est pour ça qu'on a trouvé cette formule. On pensait qu'il s'agissait de cours pour tous ces manuscrits. En fait, pas tous sont des cours. Des cours et travaux, il y a plutôt des textes, des manuscrits qui ont la forme, probablement, je ne sais pas trop, mais presque d'ébauches de livres jamais publiés ou des travaux, qui sait, peut-être de thèses avant qu'ils décident de se consacrer à l'histoire de la folie. Les premiers volumes qui ont été publiés, c'est celui sur la sexualité, qui est recueilli par Claude-Olivier Doron. Qui recueille deux cours qui ont été tenus dans les années 60 t'as dit quoi, pardon? Clermont-Ferrand, oui, et Vincennes. C'est ça, Clermont-Ferrand et Versailles. Et Vincennes. Et Versailles, oui. C'est un beau lapsus en même temps. Ouais, j'aurais aimé des cours de Foucault sur la sexualité à Versailles. Versailles, c'est pas mal, ouais, t'as raison. Donc à Clermont-Ferrand et Vincennes, donc qui anticipe évidemment tout le travail que Foucault fera sur l'histoire de la sexualité, mais bon, dans les années 70. Après, il y avait cette triade de manuscrits de la période lilloise, ce qu'on appelle la période de Lille, les textes sur Binswanger, celui sur Husserl et la question anthropologique. Et les cours qui vont sortir, donc tu m'aideras si la mémoire est bonne, il y a un cours très, très intéressant que Foucault fait à Tunis. Donc il part, c'est d'ailleurs la première fois qu'il est vraiment un professeur de philosophie, parce qu'on avait dit jusque-là il était nommé comme assistant et professeur de psychologie. Donc en Tunisie, il part en 67 et... il fait des cours sur les discours philosophiques. Un cours magnifique et qui répond, enfin, en réalité montre bien et a beaucoup de points en commun avec la question anthropologique. Revient sur ce qu'est effectivement un discours philosophique, quel est son rapport avec les sciences humaines et les discours sur l'homme. Il y aura un cours justement sur les mots et les choses, qui anticipe les mots et les choses, tenu par que Philippe Sabot va éditer. Je ne me souviens plus, il l'avait tenu au Brésil. C'était au Brésil. Oui, au Brésil. Et c'est génial parce qu'on comprend tout. Oui, c'est ça. Tu le disais, c'est un mystère comment les mots et les choses ont pu être un succès éditorial, parce que c'est l'un des livres les plus difficiles, au fond, de Michel Foucault, théoriquement. Et effectivement, dans ses cours, donc, il reprend tous ses travaux, mais d'une manière évidemment plus orale et donc conçue pour les étudiants. Et puis, on publiera une série d'extraits, des passages sur Nietzsche, justement. Le travail des extraits, des manuscrits que Foucault consacre à la pensée de Nietzsche, donc tout au long des années 50 et 60. Il me semble qu'on a... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, mais je voulais que tu précises la manière dont... Parce que moi j'ai travaillé plutôt sur les cours au Collège de France où, sauf exception, on avait des cassettes comme base. Parce que dans l'histoire, si on remonte à l'histoire, au départ, il y avait un interdit testamentaire de Foucault qui explicitait pas de publication posthume. Voilà. Qui interdisait de manière très forte, au moment où il savait qu'il était malade, il a donné une espèce de voilà. Et ce qui a fait que la première grande entreprise a été ce qu'on appelle les 10 écrits, c'est-à-dire où ce qui a été repris, c'est tous les articles qui avaient pu paraître ici et là, ou dans Esprit, ou dans Critique. Quatre volumes, oui, c'est ça, quatre volumes, ou à l'étranger, ça a été un travail de 10 ans, d'une dizaine d'années.
Et en même temps, ce qu'il y avait, quand ce travail a été achevé, même si on s'est aperçu qu'après, ils avaient oublié des textes. Il y a même un entretien justement sur l'Iran très important qui a été oublié. Mais enfin, il y a à peu près tout. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y avait... Il y avait des cassettes, alors c'était des cassettes magnétiques à l'époque, qui étaient disponibles au Collège de France, parce que ce Jacques Lagrange, qui était déjà là à l'ENS, était un passionné de Foucault et est allé très très régulièrement au Collège de France, et c'est quand même grâce à lui qu'on a les cassettes, hein, même si, après je ne vais pas rentrer dans les détails, pour les premières années, ce n'est pas lui, parce qu'il ne pouvait pas y aller, etc. Voilà, cela dit, il y avait quand même un interdit testamentaire. Cela dit, les Italiens avaient édité en italien la traduction d'un cours qui était le cours de 76, il faut défendre la société. Et à ce moment-là, la famille a considéré que c'était pas tenable. Et que les cours au Collège de France, comme il y avait les cassettes, ça allait donner lieu à des éditions pirates et qu'il valait mieux faire des éditions sérieuses, d'autant plus que, et je trouve que ça se tient, ces cours étaient publics. Donc, ce n'est pas vraiment posthume. On a joué sur ça, en tout cas, oui. Non, je trouve que... Non, ce n'est pas du posthume au sens... Cela dit, ça supposait, par rapport au travail qu'a fait Arianna... que moi, par exemple, j'écoutais des cassettes et je faisais de la retranscription d'une parole. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc, avec cette difficulté, j'avais pas de difficultés que tu as peut-être rencontrées, qui étaient des difficultés de lecture, de disposition, comment rendre la disposition sur la page, etc. Mais des difficultés qui tiennent à ce qu'il y a des tics oraux qu'on ne peut pas tous rendre. Par exemple, Foucault dit assez régulièrement « bon, bon », et ça, par écrit, ça saute aux yeux, etc. Et que, évidemment, quand on parle, il peut y avoir des... Comment dire ? Pas des facilités, mais on va user de formes à l'oral qui, quand elles sont transcrites littéralement, vont masquer le sens. Alors qu'elles permettent de l'entendre quand on l'écoute. Donc, on était obligé de reprendre un peu la phrase, d'alléger, etc., pour que ce soit complètement... Donc, il y avait des systèmes de crochets, de notes, etc. Voilà. Et je crois... je sais pas, tu as un peu expliqué que pour les manuscrits, c'était un peu... Enfin, les difficultés n'étaient pas les mêmes. Moi, c'était des difficultés de me dire... Mais, comment je change, est-ce que j'ai le droit, etc. Non, c'est des difficultés déjà des transcriptions, parce que Foucault a une écriture épouvantable. Si vous avez l'occasion de voir un feuillet manuscrit, mais vraiment, il faut être initié à son écriture, il faut en avoir lu beaucoup, il y a des spécialistes qui peuvent nous aider, et parfois, il y a des mots qu'on n'arrive absolument pas à déchiffrer, et pour lesquels on doit... soit on essaye de proposer, on devine, soit on laisse en blanc. Et à la limite, il y a des difficultés. Bon, mais est-ce qu'on... Si Foucault se trompe dans l'écriture, est-ce qu'on laisse quand même son erreur parce que ça peut être significative ? Est-ce qu'on les corrige parce qu'au fond, voilà... C'est vrai que c'est des textes... Les abréviations aussi. Les abréviations. CSE, enfin. Est-ce que ça veut dire conscience ou connaissance ? Ah oui, il utilise la même pour conscience et connaissance. Donc effectivement, c'est vrai. Ça peut être un peu parfois un peu... Bon, il faut deviner. Donc voilà, c'est ce genre de difficultés. Et parfois, par rapport aux cassettes, on a aussi des doutes par rapport à est-ce qu'il manque des passages, est-ce qu'il a tout prononcé, qu'est-ce que ça a donné vraiment à l'oral. Et pour ce cours au moins, et pour tous les cours des années 50, on ne peut que faire de donner des interprétations, de faire des hypothèses. Donc voilà, je sais pas, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Aussi, ce qui est bien rendu, je trouve, dans le cours, c'est qu'il y a quand même, parce que moi au départ avec Henri-Paul Fruchot, on avait regardé les cours en se disant est-ce que c'est éditable et tout.
Alors moi, j'avais lu celui-là, j'avais dit ça, c'est même pas la peine, c'est tellement, j'y comprends rien, etc. Bon, heureusement qu'il y a eu des gens plus avisés que moi. Mais il se trouve qu'il y a vraiment, chez Foucault, quand il écrit, un art de la disposition spatiale avec un système de retrait qui est tout à fait, je pense, qui a dû être pour vous un casse-tête, quoi. Ah, oui, mais oui, qui l'aide à l'oral. C'était, oui, ça l'aide à penser, il... mais enfin, oui, bon, c'est tout très un ésotérique. Système des A, B, petit a, et puis alpha, bêta, gamma, et puis à nouveau 1, 2, 3. Enfin, à un moment, on ne s'y retrouve absolument plus. Mais, et souvent, on a été obligé, effectivement, à un moment, de simplifier ça, parce que sinon, ça devenait impossible à lire. Mais manifestement, pour lui, ça l'aidait à retracer. C'est un fou de la classification. Ah, oui, oui, c'est, on le sent bien tout de suite. C'est l'encyclopédie borgésienne. Non, petit A, petit B, petit A, petit 3, etc. Absolument. Non, ce que je voulais ajouter, c'est intéressant parce qu'en ce moment, on est, moi et Elisabeth Abasso, nous sommes en train de réviser les cours au Collège de France qui sont en train de sortir en poche. Je ne sais pas si vous avez vu, les deux premiers sont sortis en poche et les autres vont bientôt sortir. Et effectivement, on s'est trouvé face à ces problèmes. Les premiers cours qui ont été édités, donc, parce qu'ils n'ont pas édité en ordre chronologique, les cours au Collège de France, on est parti. Bon, je ne sais pas exactement quel était le critère, mais bon. Par rapport aux premiers cours qui sont sortis, les éditeurs s'étaient interdits, en raison de cet interdit testamentaire, d'utiliser les manuscrits des cours, parce que souvent, on les a, les manuscrits des cours au Collège de France. Enfin, Defer les avait chez lui, et maintenant, on les a à la Bibliothèque nationale de France. Les derniers cours qui ont été publiés, les éditeurs aussi, pour des raisons, parce que pour certains, pour les premiers, on n'a pas les cassettes, on n'a pas les enregistrements. Je pense le cours de 70-71. Ils ont été obligés donc de revenir aux manuscrits. Et donc, on s'est posé la question, et effectivement, de plus en plus, dans cette révision, on est tenté, et on le fait, bon, pas systématiquement, d'intégrer des passages du manuscrit, pour uniformiser un peu les cours entre eux, voilà, pour que les rapports aux manuscrits soient présents pour tous les cours. Mais effectivement, il y avait ces poids de l'interdit testamentaire qui, bon, aujourd'hui, ça nous semble un peu, ouais, c'est des distinctions jésuites presque, ouais, mais ça a été un vrai poids et un vrai interdit à respecter jusqu'à pas il y a longtemps, hein, et il y a beaucoup de polémiques qui ont surgi au moment où on a décidé de le franchir de manière clair et net, et de commencer à publier des manuscrits, quoi, carrément des manuscrits qui n'étaient pas pensés ni pour la publication, ni pour l'exposition orale. Ça a été un choix. De son humour, moi je l'ai jamais connu, mais quand vous dites humour, je pense qu'il l'avait féroce, mais qu'il y avait un rire aussi, qu'il y avait un rire qui était très... Le rire de Foucault était impressionnant. Oui. Les rires de Michel Foucault s'appelle, oui, cet article magnifique de Michel Desserteaux. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens comme trait d'humour, moi ce qui m'a le plus fasciné, c'est à la fin d'un entretien où le journaliste a l'amabilité de lui... De lui souhaiter encore beaucoup d'années pour pouvoir travailler. Il a une formule qui est que Dieu vous prête longue vie pour finir ce travail. Et Michel Foucault le regarde et d'un air pincé lui répond: je ne lui souhaite pas. Voilà. Très bien. On a le temps encore pour deux questions. Moi. Oui. Moi, je voudrais poser la question de la suite de Foucault. Quelle répercussion aujourd'hui encore, et quelle répercussion... je me demandais aussi, parce que c'est étonnant, là, vous êtes sur des cours, donc on se dit, il y a eu tous ces étudiants qui ont écouté,
ces cours? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces étudiants? Ils en ont fait quoi de ces cours? Je ne sais pas, Rihanna ou moi, ouais, je ne sais pas si tu commences ou je commence. Qu'est-ce que les étudiants en ont fait? Je ne sais pas si on peut dire qu'il a créé. Bah, d'ailleurs, ce n'était pas du tout dans son... dans sa manière de concevoir son activité philosophique, de créer une sorte d'école ou voilà, d'avoir des disciples, ça aurait été totalement anti-foucauldien. Et je pense d'ailleurs que l'histoire de la réception de la pensée de Foucault en France, du moins, est très intéressante et assez, enfin, parce que pendant au moins 10 ans, je dirais, Foucault n'était vraiment pas un penseur très étudié, dont on pensait qu'il aurait une longue postérité. Ça avait été assez oublié, je dirais, mais Frédéric peut le confirmer encore plus que moi, pendant au moins une dizaine d'années après la mort. Et c'est effectivement toute l'entreprise des publications des 10 écrits d'abord, et puis des cours au Collège de France, qui ont dévoilé aussi un Foucault que peut-être était très différent d'ailleurs de Foucault des livres, hein, parce qu'effectivement les styles de Foucault dans les livres publiés de son vivant, dans les cours ou dans les articles, c'est un style très différent, donc qui ont vraiment et je pense que c'est vraiment le Foucault des cours au Collège de France qui a le plus marqué la pensée, l'histoire intellectuelle de ces dernières années en France, et pas seulement, parce que ce qui est impressionnant, c'est de voir comment Foucault est lu, repris, utilisé un peu partout dans le monde, énormément aux États-Unis, où d'ailleurs lui-même était parti enseigner et travailler de plus en plus dans ces dernières années, en Amérique latine, mais même en Asie, au Japon. Il était, je ne me souviens plus en quelle année, je ne sais pas si aujourd'hui il l'est encore, mais les philosophes les plus, enfin, les penseurs les plus cités au monde. Donc il est aujourd'hui très utilisé, très étudié. Après, on peut se poser la question... de quelle manière, enfin, qu'est-ce qu'il en reste vraiment, qu'est-ce qui reste vraiment de son attitude philosophique. En tout cas, et ça c'est plus difficile pour donner une réponse, mais ce que je peux dire, c'est que bon, moi ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur Foucault, que je lis ses textes, que j'utilise ses textes, que je travaille sur ses manuscrits. Et il continue de m'épater. Je continue d'y trouver. À chaque fois que je le lis, d'ailleurs, à chaque fois que je le lis, même un texte que je connais depuis 10 ans, j'y trouve quelque chose de nouveau. c'est vraiment... Je pense que ça reste un penseur d'une profondeur et d'une actualité impressionnante. Ce n'est pas toujours reconnu comme tel, mais il l'est. Eh bien, merci. Merci à vous, merci à tous les deux.